Marty, tu as réglé la DeLorean sur quelle année? Quoi? 1992 encore? Oh non, mais moi, si c'est comme ça, C'est bon, je me casse. Ça fait une semaine comme ça, je me fais chier à faire tous les jeux sur 1992. Jamais il y en a un qui change, jamais il y a une nouveauté, jamais il y a n'importe quoi. Si c'est comme ça, mais tu te le démerdes ton stream, quoi, c'est pas possible. Ok, 1993. Bon, je prends. Salut les amis, je crois qu'on a un petit désaccord ici backstage, puisque il se trouve qu'on m'a enfermé en boucle dans 1992 et il est temps que je me rebelle. Alors ce soir, exceptionnellement, nous avons un stream totalement différent puisque nous allons faire un shmup. Eh oui, eh oui, un shmup encore. Et il ne sera pas de 1992, celui-ci sera de 1993. Sinon, je m'en plains à mon syndicat. Ça se passera pas comme ça, je te le dis, moi. Roméo, Double Wings. Alors, Double Wings, qui est connu essentiellement sous le nom de Double Wings, dont on voit les idéogrammes, est un shmup vertical qui m'a l'air d'être un Xème Raiden-like. J'allais utiliser des adjectifs que je ne peux pas encore utiliser, vu que je n'ai pas essayé ce jeu, et je ne sais pas de quoi je parle. Alors, sera-t-il mieux qu'un Raiden? Sera-t-il pire? La réponse tout de suite après la pub. Non, il faut des bandes annonces d'abord. Alors, apparemment, le jeu est fait de telle manière que si vous êtes malin, vous attrapez que des bonus de la couleur qui correspond à votre avion et vous faites un méga tear of the. Le micro a été coupé, je ne sais pas pourquoi. Mais il y avait un mot intéressant pourtant. Allez, on y va. Piou, piou, piou! Rouge, rien ne bouge. Bleu, tout est vaseux. Et blanc, tout choucan. Je vais prendre blanc parce que c'est plus vieux, il m'a l'air plus mature et il sera donc forcément plus expérimenté. Peut-être plus long, merde. Piou, piou, piou! Eh oui, piou, 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 quoi. Alors, ça serait rigolo qu'un jour, les gens pensent à sortir un shmup où tu démarres avec un méga tir. Puis en fait, on te fait faire, je sais pas, 30 secondes de jeu et tu te fais défoncer la gueule et tu repars derrière direct avec le piou-piou-piou. Je pense que ce serait encore plus insultant que de démarrer avec un piou-piou-piou. Parce que bon, quand on est un grand joueur comme moi, réputé mondialement dans tout son pâté de maison et les immeubles adjacents, eh ben, on mérite d'attendre autre chose que. Alors, vous envoyez du neuf ici? Non, je n'en vois pas moi non plus. Il est bien là le problème avec ce genre de jeu, c'est que oui, on va trop copier la copie comme il faut, on fait une copie, et c'est un peu comme des photocopies, il y a des chances que la qualité soit moins bonne que l'original. Je crois que j'ai pas trop mal résumé le fond du problème. Donc pour l'instant, même sans avoir jamais mis le moindre centime dans cette borne, je connais tous ces patterns, on va dire ça clairement. Genre là, si je voulais avoir l'air surpris, il faudrait que je m'entraîne à avoir l'air surpris. Parce que vraiment, l'entraînement est totalement indispensable vu qu'on l'a fait dans X autres jeux qui existent du même genre. Oui, je suis méchant, mais. Et il va mettre 2 heures à relancer le bousin, sérieux. Pour repartir avec un piou-piou-piou. Sérieux. Non, mais non, je kick là, je kick. Right click, tout de suite, hop. Regarde-moi ce tir de. Alors, insérer ici quelque chose de très désagréable comme appellation. Ce tir de. Pangolin. Mouche à merde. Le mec, il se marre dans son tank. Il est là, il fait. L'autre, il est en train de m'attaquer. On est quoi? On est en avril? À ce rythme-là, je pense qu'il y a encore en septembre. Allez, on le fait redémarrer au checkpoint qui est bien là-bas où il récupérera que dalle comme bonus cette espèce d'abruti. C'est un petit peu ce que tu as l'impression que te chuchote le dev dans l'oreille. Oh, faut que j'aille. Ça fait longtemps que je n'avais pas sorti, c'est le game over. Dites-moi que j'ai fait mes 5 minutes légales. Non? Va falloir que je revoie mes engagements avec cette obligation de faire 5 minutes minimum sur un titre. Qu'est-ce qu'il veut lui?
Moi je veux le méga tir qu'on a vu dans la démo. Je n'en démords pas. Pas de méga tir, pas de méga stream. Je vais faire la blague du stream. Ah c'est fini, je suis plus content. Je vais vraiment mettre plein la gueule. Je suis pas au bon endroit et voilà, et une personne y met. Mais quel méchant jeu. Mais quel méchant jeu. Donne, rouge, rouge, red. Bon c'est pas grave, je prends ça aussi. Oh, vous n'avez pas commencé là. Je suis pas encore installé moi. Je sens qu'à gauche, il va y avoir un truc, mais je sais pas quoi. Hop, oh, un tank. Nom de Dieu, reste bien au milieu. Oh putain. J'ai fait mes 5 minutes. J'ai fait mes 5 minutes de bar. Il est saoul ce jeu. Je crois que je vais mourir là. Là tout de suite. Hop, là. Oh merde, je me suis jeté sous un tir là. Et tirez les gars. Et tirez, faites quelque chose. Bon. Ok, le gros babu. Allez babu, tu me mets pile là où tu vas me le mettre bien dans la tronche. Là. Je bouge plus. Ah, non, trop facile. Ah, déjà vu. Déjà fait. Il y a la pub de la vache qui rit. Oh, j'ai perdu, c'est dommage, j'aurais bien aimé vous faire voir plus loin. Oh, qu'est-ce que je mens mal. Alors ça, c'est un gros défaut, mais je vais m'améliorer, je pense. Non, j'ai plus d'argent, monsieur. Parce que les crédits, là, je vais les récupérer, il y a une borne à côté, je vais les mettre dedans, parce que ici, je perds mon temps. Je crois que j'ai très très bien résumé ce jeu, qui aurait pu être sympathique, mais qui est passé à côté de tout ce qui peut rendre un jeu intéressant, c'est-à-dire un peu de neuf, s'il vous plaît, un peu d'humour, mais mieux foutu, je sais pas... C'est ce qu'on appelle communément le pauvre jeu qu'on doit trouver, vous savez, sur les bateaux de croisière, quand ils ont une misérable salle d'arcade avec des trucs complètement pourris. Ben voilà. Voilà où doit faire sa carrière ce type de jeu. Je suis super méchant, mais ça c'est parce que j'ai des super pouvoirs, parce que je suis super tout court. Et je vous le démontre une fois de plus en vous rappelant que vous pouvez blah regarder tous les shmups d'un coup grâce à cette playlist et blah regarder tous les gros big gameoski d'un coup avec cette autre playlist. À demain, 19h. Ciao.